Bonjour à tous. Alors, nous sommes ici en direct de Montréal et je suis accompagné de Cédric Blancard. Cédric est le formateur des animateurs des ateliers des quatre héros. Cédric, est-ce que tu peux nous d'ailleurs peut-être te présenter en quelques mots et puis nous partager c'est quoi ce projet des ateliers des quatre héros? Ben bonjour aussi à toutes et tous. On vous parle ici en direct de Montréal. Donc mon parcours, eh bien moi-même j'étais participant des quatre héros au tout début de l'existence et puis eh bien je me suis formé et aujourd'hui j'ai le plaisir de transmettre justement tout ce que j'ai appris aux futurs animateurs. Alors comment est-ce qu'on devient animateur des quatre héros? Eh bien c'est sur base d'une candidature et d'un dossier à compléter. Ensuite, il y a un comité de sélection qui se réunit pour sélectionner à la fois des dossiers en Amérique du Nord et à la fois en Europe. Et ensuite, il y a une formation qui dure entre 5 et 8 jours en fonction du nombre de participants, où on transmet vraiment à la fois des techniques d'animation, mais également quelle est la couleur, quelle est l'essence des quatre héros pour pouvoir la transmettre au plus grand nombre. Waouh! Dis donc, et alors on vient de terminer une semaine, on peut dire, on est entre nous, hein, elle était absolument magique. Hein. Ah, j'aurais pas d'autre mot, c'est vraiment magique, oui. Et ce qui est rigolo, c'est que dans 55 minutes, il y a le taxi qui vient nous prendre et qui nous ramène à l'aéroport pour retourner en Europe. Et on avait envie juste de partager ici, dans l'ambiance de Montréal, un morceau de cette magie avec vous. Si on devait prendre deux, trois éléments de cette magie, ça serait quoi, par exemple, pour toi, Cédric? Alors, la magie, je pense que c'est vraiment la bienveillance. C'est pas un mot bateau qu'on utilise. Quand on dit bienveillance, c'est vraiment d'abord une des couleurs des quatre héros. Et c'est dans cette bienveillance que les participants vont pouvoir évoluer et se connecter à leur légende personnelle. Mais c'est également la bienveillance qui caractérise les animateurs. Ils sont pour moi vraiment des connecteurs à la légende personnelle. Et l'idée, c'est vraiment que ça se passe dans la douceur et c'est inviter le participant à se connecter. Donc le travail, finalement, est fait vraiment par le participant à son rythme et c'est lui qui décide quand il se connecte. On a eu la chance de rencontrer vraiment de merveilleuses personnes ici qui sont toutes déjà dans le développement personnel avec différents degrés et différentes compétences. Et donc, c'est, j'ai envie de dire que les quatre héros prennent encore un degré plus élevé dans la compétence et dans ce qu'on pourra partager. Avec déjà, et on peut l'annoncer, je pense, en exclusivité, mais oui. C'est le cadeau du jour, c'est de vous annoncer eh bien, qu'il y aura déjà 8 ateliers au minimum, c'est-à-dire 4 ateliers dans la région de Québec et 4 ateliers dans la région de Montréal qui permettront à chacun de se connecter à leur légende personnelle et surtout de réveiller les quatre héros intérieurs qui sommeillent en eux. Ouais. Et moi, j'aurais envie de rajouter qu'un des éléments de la magie, en plus de ça, c'était vraiment la qualité humaine et professionnelle des animateurs hein, qu'on a eu l'occasion de côtoyer ici pendant une semaine. Je pense que c'était vraiment pour nous une belle découverte. Hein. Tout à fait. Ouais. On a découvert des personnalités différentes, mais tellement complémentaires, avec beaucoup d'émotions également. Parce qu'il faut savoir que la formation des animateurs, eh bien, on fait vivre aux animateurs eh bien, ce que vont vivre les participants. Et donc, pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse ressentir ce qu'on va offrir ensuite aux participants. Et donc, on a eu de très, 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 très belles découvertes. Là, ben, on vous présente quelques images hein, en live de cette semaine et de la fin de semaine dernière. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi la magie du lieu dans lequel on est. Hein. Ici, le Québec, c'est, je pense qu'il y a vraiment un lien. On peut dire qu'on est tombé en amour hein, oui. de cette région, des gens qui vivent ici. Il y a vraiment un esprit particulier. Et ça a aussi contribué, je pense, à la richesse hein, de ce que vivent les quatre héros. C'est ces échanges entre des cultures différentes, suisses, québécoises, belges, françaises. Tout à fait. C'est un beau moment. Hein. Ça a été, forcément, on a des cultures différentes. Et donc, c'est toujours tellement riche de découvrir un petit peu comment fonctionnent les choses sur d'autres continents. La grandeur de cœur, elle est identique, j'ai envie de dire, quel que soit le continent. Mais donc, il y a plein d'expressions. On a aussi eu des compagnons très symboliques qui étaient les écureuils. Oui. qui nous ont vraiment suivis tout au long. Ils venaient nous faire des coucous tous les jours. Ouais. Ça restera des moments
moments gravés. C'est également le fait d'un moment de se connecter à la neige, les pieds nus, vraiment. Et donc, il y a une, on le disait au tout début hein, de ce live, c'est la magie qui a opéré. Vraiment, ouais. Si des personnes souhaiteraient rejoindre la communauté des animateurs, donc tu as expliqué au début un peu les modalités, mais concrètement, ça pourrait prendre, si je voulais devenir animateur aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour entrer en contact avec Atreo? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'envoyer un email avec votre intention à l'adresse, c'est simple, c'est Cédric, C-E-D-R-I-C, @4héros, sans accent sur héros.fr. Donc, ce mail arrivera automatiquement chez moi et puis je vous indiquerai la marche à suivre. En sachant que pour l'instant, il y a donc un cycle qui vient de s'achever ici au Canada et il y aura un autre cycle qui va débuter d'ici 2 semaines en Belgique. Et donc, il est possible que d'ici septembre, d'autres cycles démarrent et au minimum, il y aura un cycle par an. Et donc, on vous recontactera et on vous invitera à participer à ces cycles. Il y a également le Maroc hein, qui est dans le pipeline. Donc là, c'est un petit appel qu'on lance. C'est le pays suivant avec lequel vraiment on aimerait peut-être entrer en contact avec les quatre héros. Il y a aussi des liens d'affinité de cœur de plusieurs animateurs avec ce pays. Et donc, si vous nous écoutez du Maroc, n'hésitez pas à prendre contact avec Cédric. C'est vraiment notre projet suivant. C'est l'ouverture des quatre héros au Maroc. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on lance dans l'univers et on verra ce qui se concrétise. Quoi. Super. Eh bien, comme on doit encore préparer notre valise, hein, c'est certain. Ouais, c'est ça, hein, donc, et que le taxi arrive déjà dans 50 minutes, on va peut-être vous partager une petite vidéo qui a été tournée avec quelques animateurs québécois et qui présente le projet ici au Québec. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes au Québec, à en savoir plus sur le site des 4 héros. Et si vous connaissez des personnes au Québec, alors partagez cette information, parce que je pense que les ateliers au Québec vont être de toute grande qualité. Ça va être vraiment des moments de magie. Alors, sans plus attendre, voilà devant place vous, aux toute animateurs. Cette équipe exceptionnelle de formateurs pour les 4 héros. C'est quoi ça, les 4 héros? Vivons notre légende. Hey, la gang, présentez-vous donc, tout le monde. Qui vous êtes? D'où vous venez? Nadine Beaupré, de la région de Montréal. Carole Villot, de la région des Laurentides. Moi, je suis Xavier et je viens de Belgique. Ah! Et moi, c'est Cédric, également de Belgique. Donc, vous voyez que c'est une formation internationale, mais ici, vous avez l'équipe de formateurs du Québec, avec nos mentors, les gens qui ont pensé à toute cette extraordinaire façon de nous aider à vivre notre légende personnelle. Il y a des ateliers qui s'en viennent, sont déjà prévus. On pense déjà à la, hein, on pense au mois de mai, on pense à 2 jours dans la région de Québec, 2 jours dans la région de Montréal. En fait, on pense à 4 formations officielles. On va vous mettre les dates dans le bas de la vidéo. Et les endroits ne sont pas encore fixés, mais il est certain que parmi vous autres au Québec, des gens vont être accompagnés par nous autres, des gens de l'équipe, pour vous aider à vivre votre légende personnelle de façon ludique, on va le dire. Oui, hein, c'est le fun, il n'y a rien de stressant là-dedans. Et sinon, qu'est-ce que vous auriez à dire pour encourager le monde à embarquer dans cette aventure-là exceptionnelle? Préparez-vous. Alors, je pense que vous allez vivre une expérience extraordinaire qui va vous permettre justement de vous reconnecter à votre essence personnelle et d'avoir l'occasion de pouvoir la partager au plus grand nombre. Alors, on vous invite à vous joindre à nous et de vivre ce voyage personnel et aussi collectif avec les participants qui seront dans votre groupe, soit dans la région de Québec ou dans la région de Montréal. Et toute notre équipe d'animateurs aussi, nous sommes en train de rêver également à un autre projet qui pourrait prendre naissance cet automne en 2017. Alors, restez à l'affût. Et puis, si ce projet sur lequel on est en train de rêver vous intéresse, on vous invite à laisser votre courriel pour pouvoir obtenir toute l'information qui va circuler au courant de l'année. Alors, c'est un rendez-vous. On vous attend. Un projet qui consiste là, à vivre en 4 jours, 4 jours intensifs, le début d'une grande aventure pour finir avec notre légende personnelle écrite, visualisée, avec les étapes précises à suivre pour la peine, pour la vivre, pour la réaliser, et tout ça de façon concentrée. C'est ça le projet.
de l'année, un suivi avec la gang. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour dire quelle sera l'aventure? Moi, l'aventure, c'est surtout que j'ai envie de vous inviter à vous offrir ce cadeau parce que simplement, vous le méritez. Waouh, excellent! Moi, ce que j'aurais envie de rajouter aussi, c'est que si vous êtes à la croisée des chemins, que vous posez des questions par rapport à votre vie, qu'elle soit professionnelle ou plus personnelle, et que vous avez envie d'un vrai coup de booster, vous avez une magnifique équipe ici d'animateurs professionnels au Québec qui pourrait vous donner justement cet impulse dont vous avez besoin et qui pourrait vraiment vous faire passer au niveau supérieur. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai hâte de découvrir quelle est votre légende. Et puis, c'est avec un grand privilège et grand honneur de pouvoir vous accueillir et découvrir votre légende personnelle. Oui, puis vous accompagner pour que tout le monde, le plus de monde possible, puisse vivre sa légende, rayonner, rendre le monde un peu meilleur. On a cette prétention-là, mesdames et messieurs. Carole, t'allais dire quelque chose? J'allais dire que ce soit un premier pas ou que vous soyez bien avancé ou que vous soyez en train de rêver votre projet. Il y a de la place pour tout le monde dans le voyage. Et vous avez vu, on a chacun nos styles. Hein? Peut-être que je suis un petit peu verbomoteur. Bon, c'est comme ça. Mais on a chacun nos styles. Comme vous, vous avez chacun le vôtre. Mmh. Et on vous accompagnera avec plaisir encore une fois. Merci d'avoir écouté ça. Inscrivez-vous, laissez votre nom en bas, écrivez-nous, posez-nous des questions. Ça va nous faire grand plaisir d'y répondre. Et c'est sûr, vous avez le lien sous cette vidéo pour vous inscrire directement. Pour aller voir sur le site les dates qui sont prévues, les endroits suivront, mais déjà les dates, mettez ça à vos agendas. C'est le souhait que je vous fais. Faites-vous ce cadeau, comme Cédric le disait. C'est parti. Et c'est parti. Bye bye. Intéressé de suivre un atelier ou plusieurs ateliers, de vivre éventuellement tout le cycle. Il y a donc déjà plusieurs villes qui sont confirmées. Je vais les citer en espérant n'oublier rien du tout, c'est en live. Donc il y a Otigny, je commence par la Belgique, donc Otigny, Bruxelles. Il y aura également du côté de Lille, on part sur la France. La Suisse, on n'a pas encore les dates, mais en tout cas, il y aura également des ateliers 4 héros là-bas. Il y aura Paris également et au Québec et à Montréal comme on vous l'a déjà annoncé et je terminerai sans oublier le sud de la France avec notre ami Christophe à Cannes. Ouais, et il y a également Bruxelles, Jochelette et puis ici au Québec, c'est vrai qu'il y aura la ville de Québec, enfin en tout cas la région de Québec et la région de Montréal. Et alors, un petit appel particulier à toutes les personnes, tous les participants de cette année, de l'année en cours, etc. On va tous se retrouver dans la région parisienne pour un grand ralliement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc je peux déjà vous annoncer les dates. Ce sera le 24 et le 25 juin dans la région parisienne. On garde encore secret le lieu. Mais l'idée, c'est vraiment le premier grand ralliement des héros, à savoir tous les participants, évidemment les animateurs. Et on vous donne l'occasion d'inviter également une personne pour venir découvrir c'est quoi cet univers des héros intérieurs. Pendant 2 jours, il y aura des échanges, mais il y aura également des workshops et des ateliers très pratiques où vous allez pouvoir, pendant 1 heure à maximum 2 heures, justement être connecté à des techniques de développement personnel au sens très large. Ça ira autant d'ateliers sur la musique que d'ateliers, par exemple, sur du massage thérapeutique, mais également des techniques sur animer un groupe, des outils de communication. La liste est longue. Donc, notez déjà dans vos agendas, 24 et 25 juin à Paris, et il y a également du covoiturage qui sera organisé à partir de la Belgique et puis sur Paris à partir des différents aéroports et gares. Ce qui est chouette aussi, c'est que tous ces ateliers en fait seront animés par les participants eux-mêmes. Donc c'est des participants des ateliers des 4 héros qui vont vous partager vraiment leur passion, leurs compétences, leur savoir-faire pour nous faire découvrir nous aussi des univers inconnus, parce qu'en plus de ce que tu as cité, il me semble qu'il y aurait des ateliers de clowns, des ateliers de Qigong, d'écriture. Donc voilà, vraiment beaucoup de belles choses. Alors, on vous dit un grand au revoir depuis le Québec. On dit au revoir à toutes les personnes qu'on a rencontrées ici, les participants de l'atelier de Val-David de la semaine passée, les animateurs qu'on a côtoyés cette semaine ici à Montréal. On se réjouit de vous retrouver très très vite et nous,
On termine nos bagages pour vous retrouver tous en Europe où il est 21h17, alors qu'ici il est encore 13h17. On s'apprête à passer une nuit dans l'avion. Exactement. Voilà. Cédric sur Air France en première, moi sur Air Transat, mais on passera tous les deux la nuit au-dessus de l'océan. Voilà, et on vous donne rendez-vous dès demain après-midi où on sera en Europe. Rendez-vous à tous dès demain. Ouais. Et rendez-vous aussi un peu particulier aux 12 animateurs qui ont été sélectionnés en Europe semaine prochaine et dans 3 semaines pour 2 fois 4 jours de formation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer. On se réjouit de vous retrouver tous aussi. Merci d'avoir suivi ce live et à très très bientôt. Bye. Bye.